Et recoucou, on se retrouve de suite pour jeter un petit coup d'œil à la présentation de l'événement défi des gargouilles tout mignon. Maintenant, jeter un coup d'œil à Betty, Grumble, Mena et Ouve. Alors, Mister 3 étoiles. On rappelle, ils résistent de base au poison. S'ils ont un copain, également la brûlure. S'ils ont un troisième copain, également à l'eau. Alors, passif, à chaque fois que cette gargouille active sa compétence spéciale, peau douce s'active les 4 prochaines fois où il reçoit des dégâts. Ceux-ci sont réduits de 90%. De plus, les alliés résistent à tout effet négatif et toutes les réductions de mana. Effet non dissipable. Je suppose 4 tours. 4 tours, je suppose, parce qu'il est moyen. Tac tac, toi qui es lent, ça dure 5 tours. Toi qui es rapide, ça dure 3 tours. Ok, bon là-dessus, ça reste assez logique. Alors, les 4 prochaines fois où il reçoit des dégâts, ceci en dirait que donc lui, quand lui reçoit des dégâts, ça du moins 90. Et de plus, les alliés résistent à tout effet négatif et à toute réduction de mana. Ça, c'est cheaté de fou! Ça veut dire que tant qu'il a la peau douce, on peut pas réduire le mana et faire des effets négatifs aux autres. C'est balèze quand même. Hein. C'est très balèze. Déjà que les toons c'était pas cool, mais si en plus il y a ça. Là c'est très 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 balèze. Par exemple, il suffit qu'il ait sa peau douce juste avant que Maléfique Arbre y joue, ou juste avant que Alfric joue, que X joue, et que lorsque le mec en face il lance sa CS qui a encore la peau douce. Eh bien, ils pourront pas réduire le mana, pas d'effet négatif et rien du tout. Et ça, c'est balèze. Ça, c'est très 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 balèze. Les alliés résistent à tout effet négatif et toute réduction de mana. Ouais, c'est vraiment ça. Ils se font plaisir. 530 d'attaque, 480 de défense et 780 PV. Fléchette pointue. 210% de dégâts à la cible des ennemis proches et les alliés proximité reçoivent également la peau douce. Purée, ça veut dire que lui, les proximités, on reçoit la peau douce. Ah bah franchement, ça veut dire que tant que l'un des trois a la peau douce, tout le monde sera immunisé contre. Non, c'est très fort, très très fort. C'est très fort et ça va être très casse-pied. Une attaque de ruée, ça va être une plaie. Lui, tant qu'attaque de ruée, lui, ses copains, ils auront la peau douce. Donc même si vous avez de quoi bourriner, si vous avez Maleficar, pour je ne sais quelle autre bêtise, et ben ciao l'astico, pas d'effet négatif. Alors là franchement, balèze. On limite limite, il a presque 1000 d'attaque pour le 3 étoiles, c'est colossal. Ah mais, attends. Là du coup c'est jusqu'au 25. Ah, petit joueur. Ah bon, moi je sais quelle tête ça, j'ai juste écrit 25. Ouais, du coup, c'est pas représentatif, mais trop talent, c'est pas encore. Là, du coup, on voit esquive de maître. Stylé. J'avais pas capté, mais c'est logique. Ok. Ouais, bon, on va enlever 100 d'attaque et 100 de défense. Je pense. Je pense qu'il doit avoir 900 d'attaque max, qui est déjà énorme. Avec 600 de défense et 1300 PV. Je pense, par là, mais c'est très balèze. Très très balèze. D'ailleurs, ça veut dire que toi, je regarde, du coup, ta résurrection de maître supérieur. Voilà, tu. What the fetch. Ok. Alors, en revenant à nos moutons. Grumble, du coup, qui est ranger. Il peut éviter les contre-attaques et les bonus de défense. Famille, c'est pareil. 5 prochains tours, c'est parce que t'es vitesse lente. Alors, 700 d'attaque, 680 de défense et 1300 PV. Des stats qui sont confortables. Boomerang lunaire. Tous les alliés. À l'exception du lanceur, reçoivent peau douce. Bah toi, tu le reçois par défaut. Donc, tous les alliés récupèrent 510 PV sur 3 tours. Cet effet est initialisé sur le propriétaire
de l'effet subit des dégâts directs d'une compétence spéciale. Et purifie les effets négatifs de tous les alliés. Heureusement qu'il purifie les effets négatifs en dernier. Parce que si c'est raté en premier, ça aurait été très fort. Très 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 fort. Mais vu que c'est en dernier, il y a moyen de le bloquer si tout le monde est immunisé et bloqué face aux nouveaux effets positifs. Il est bloquable assez facilement. Mais s'il n'est pas bloqué, et bien... mais compliqué. Ah mais attends. La peau douce qu'on sait sur les alliés, c'est juste la prochaine fois. Du coup, c'est juste une fois. Ah ok. C'est bon. C'est pas si balèze. Ça reste bien. Mais ok, ok, ça va. Je pensais que c'était... D'accord, donc il n'y a que lui que ça dure 5 tours. Et pour les alliés, c'est un tour. Ok, d'accord. Il n'empêche que, tant que vous n'aurez pas réussi à toucher au moins une fois les 4 autres et 5 fois lui, et ben tout le monde sera immunisé aux effets négatifs, réduction de mana. Ça reste très casse-pied. Ok, donc pas mal. Bataille sanglante, je pense qu'il est largement mieux. Booster de bonus... Oui, ça peut être bien, mais il est lent. Attaque de ruée, pourquoi pas. Ça peut sauver la mise pour les effets négatifs, tout en étant un bon soigneur et limiter les dégâts, mais... Voilà. Alors, si tu es Masterclass, tu deviens aussi fort que mon pingouin qui est niveau 85 emblémé. Remarque, t'es niveau 80, du coup, c'est pas si surprenant. On va dire que tu peux atteindre les 1000 d'attaque, les 850 de défense et les 1750 PV, on va dire, ce qui reste quand même très confortable. Ensuite, alors ce Mister Mage, du coup, il peut résister, il fait plus de dégâts si les adversaires ont fait un effet positif. Tu es également de vitesse lente, frappe de chaîne déflagratrice. J'ai jamais entendu ce mot, mais ça a un sens. 1080 d'attaque, 1060 de défense, 1190 PV. 1600. Bon, après, il est emblémé 25, mais what the fetch. Il peut atteindre facilement 1000. On va dire 1480 d'attaque. Allez, on lance les enchères. 1300 de défense, un peu moins, et 2300 PV. Je sais plus si c'est emblémé droite ou gauche quand c'est automatique. Je sais qu'à l'époque, j'avais eu l'info, mais je l'ai totalement zappé. Si l'un de vous s'en rappelle, je suis preneur de le mettre dans les commentaires. Comme ça, je pourrais plus ajuster le... On va dire le fait de mettre, de réduire les stats, on pourrait dire. En bref. Inflige 8... Quoi ? Non. Inflige 8 ? Non, j'y crois pas. Inflige 850 ? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non. Tu te moques de moi, là. 850% de dégâts à la cible. Comment il ose mettre 850% de dégâts à la cible avec un mec qui a des stats modernes? Comment ils osent? Le mec, il a 1080 de défense de base et sa CS fait 850. Comment est-ce qu'ils osent faire ça? Ah non. Là, j'ai peur. Là, ils ont franchi un cap. Ça veut dire que la suite, ça va suivre son cours. Ah non, mais là... Ah non. Je panique. Alors, si la cible avait moins 50% de PV avant de subir les dégâts, la compétence spéciale cible un autre ennemi qui avait moins 50% de PV avant de subir les dégâts. Attends une seconde, je relis bien. Si la cible avait moins 50% de PV, la compétence spéciale cible également un autre qui a également moins de 50. Ok. Si aucun des autres ennemis n'avait moins de 50, la compétence cible un cible aléatoire. Les dégâts diminuent à chaque coup consécutif. Chaque ennemi ne peut être frappé qu'une seule fois. Si les ennemis touchent et utilisent leur compétence spéciale au cours des 3 prochains tours, ils subissent 725 points de poison sur 5 tours, effet non dissipable. Je suppose attaque qui... poison qui s'augmente, je suppose, avec son attaque. Ouais, c'est ça.
Sachant que les dégâts réduits en général se divisaient par deux, si je dis pas de bêtises. Donc la première cible, si elle n'est pas morte, il va falloir qu'on m'explique. Bon, après, si elle a de réduction de dégâts ou compagnie, ok. Mais. Donc, une cible à coup sûr 850. Ça fait mal. La seconde aurait à peu près 425. Et s'il y aurait une troisième, elle aurait 200 des poussières et compagnie, compagnie. Ok. Donc la première va prendre ultra cher. La deuxième va prendre cher mais standard. Genre va prendre très mal mais genre normal. 425 c'est standard, c'est normal. Et ensuite ça se dégrade. Ok. Heureusement qu'il donne pas la peau douce aux autres. Là, ça aurait été le What the Fetch total. Mais bon, ça va. Il n'y a que lui qui l'a. C'est déjà beaucoup. Après, le dot de poison, en l'occurrence, il est pas si méchant. 725 de dégâts en 5 tours, ça fait un peu plus de 100 dégâts par tour. Un peu plus de. Presque 150 dégâts par tour. C'est pas énorme, ça va. Franchement, y a pire. Chaque ennemi peut être frappé qu'une fois. Donc, après, si la cible avait moins 50% de PV, vu la monstruosité qu'il fait, s'il fait 850 dégâts, ça serait du gâchis de le faire sur quelqu'un qui a moins 50% de PV. Alors tu es sûr qu'il va crever, ça y a pas photo, mais pour moi ça serait du gâchis. Parce que vu les dégâts qu'il fait, pour un peu comparer, Mister ici, dégâts augmentés de 30% pour chaque allié du lanceur qui est vivant, du coup 30 x 4, 120. Toi tu faisais jusqu'à du 660. Et niveau 85 en blâmé max, tu as la même attaque. Tu as exactement la même attaque qu'à ce Mister. Sauf que lui, il fait 200% de dégâts de plus. Non, c'est. Attaque de ruée, si c'est le premier à jouer et que vous avez aucun bleu de défense, faites vos adieux, fin de la discussion. Là, l'esquive du voyou, si vous avez de la chance, pourrait être sympa. Mais, pouf, au secours, au secours. Mamma mia. Bon, ensuite. Tac, on a lui et Alfric. Alfric qui va empêcher à peu près tout le monde de jouer. Et lui qui va en dégommer basiquement un. Bah là, la game elle est finie. Hein. Là, la game elle est finie. Alors, Mena. Ranger, toi aussi. La famille et ça, on n'y revient pas. 1100 d'attaque, 1050 défense, 1750 PV. Avec 1500 d'attaque, 1300 de défense et 2300 PV, à peu de choses près. Air de douceur inflige 390% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Ok, sympa, c'est pas très fort. Pendant 3 tours, à la fin de chaque tour, le lanceur et les alliés à proximité lancent une volée adorable. Oh, Ibuchu! Sur un ennemi aléatoire, cet ennemi inflige 150% de dégâts et réduit le mana à 5%. Aïe! Plagiat! Non, 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 là je suis pas d'accord. Il y a un hibou. Je crois que c'est un hibou. Hein, qui fait exactement la même chose que je crois que j'ai rencontré en ligue et que j'avais, je crois, perdu. Non, il est pas là. Il est pas là. Je sais que je l'ai vu il y a pas longtemps. Est-ce qu'il se
cache. Est-ce que j'aurais pu le voir? Parce que je me rappelle pas comment il s'appelle, c'est ça le délire. Mais y a un héros, 5 étoiles, sombre, qui fait le même délire. Exactement le même délire. Là, je reviens trop. C'était là alors, peut-être que je l'avais rencontré? J'ai deux messages. Donc, je pense jeter un coup d'œil. Non, ça c'est Vengeance de l'ennemi. Comment il s'appelle et où est-ce qu'il est? Sauf si j'ai perdu toute notion du temps, que ça fait plus longtemps que ça. J'étais sûr et certain de l'avoir croisé il n'y a pas si longtemps. Ça serait ennemi, non. 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 Non plus. Purée, on dirait que je fais du mytho complet, j'étais pourtant sûr. C'est pas un top héros, je suppose. Première vue, non. Ah! Voilà. Alors. Elle aussi, elle est rapide pendant 3 tours à la fin de chaque. Il lance un rayon de lune. Ça dure également 3 tours, sauf qu'elle, elle fait un petit soin sur elle et les ailes à proximité. Ah non, c'est pas un hibou, elle est de la famille, des animaux puissants. Mais elle avait une dégaine des hiboux, c'est pour ça que je me suis mélangé. D'accord, ok, donc toi si t'es rapide, mais tu fais 10% de moins. Enfin, ils vont faire 10% de moins. Alors que toi. C'est aussi 3 tours, tu fais 10% de plus. Mais bon, à 10% près, je pense pas qu'il y aura un changement colossal. Mais la différence, c'est que le hibou qui n'en est pas un, elle soigne un petit peu. Elle, par contre, elle fait mal sympathique. Elle fait mal sympathique. Ok, ça va. Sympa. Ça, c'est très gaspillé. Le fait de réduire le mana de 5% comme ça, c'est très très gaspillé. Ok, bon, bah ça c'est dit. Tuk, bah voilà. Un peu pour le nouveau héros. Celui-là, je veux pas le voir. Enfin, ça m'exaspère. Lui, il est facilement bloquable. Lui, il peut être sympa. Et lui, il va être casse-pied. Voilà. Sachant qu'à la une, il y a les deux nouveaux. Et il y a également ce Mister-là. C'est le fait de maintenant qu'il a peau douce, ça fait toute la diff. Hein. Franchement, ils l'ont bien. Ils l'ont bien bien boosté là quand même. Ah, il y a en plus, il y a les. Ah, il y a aussi les gargouilles normales et les nouvelles gargouilles. Donc il y a vraiment l'embarras du choix par contre. Ok, bon. Bah ça sera tout, bah, on fera les invocations quand on aura fini l'événement, histoire de tout avoir, mais... Au secours! Sur ce, je vous dis à très vite, et ciao ciao!